c'est à Roulans que se trouve ce nouveau prix. Une consécration pour Fabien Gauroy, un jeune chef d'entreprise tombé dans le métier tout petit et poussé plus vite que prévu à reprendre le flambeau familial. J'ai repris l'entreprise de mon père en 2005 avec l'aide d'un salarié qui faisait déjà ça depuis 30 ans, donc qui m'a permis de développer petit à petit l'entreprise. Ma clientèle, c'est à peu près 50% particuliers, 50% promoteurs, très peu d'appels d'offres quand c'est vraiment dans mon secteur. On fait 2-3 appels d'offres à l'année. La principale activité, c'est charpente, couverture, zingri. On est en train de développer un peu l'ossature bois, l'isolation, les toitures. Au niveau de tout ce qui est charpente, couverture, zingri, on fait aussi bien la rénovation. Donc 50% de rénovation, 50% de pavillon neuf, un petit peu d'abri bois. J'ai un commercial qui me vend tout ce qui est abri bois, petit abri. Tout ce qui est particulier, c'est moi qui vends, je n'ai pas de commercial. Et après, j'ai tout ce qui est promoteur qui m'envoie du boulot régulièrement à l'année. Quoi, j'ai repris l'affaire donc, en 2005. Donc mon père avait un salarié. J'ai commencé à travailler pour du promoteur, ce qui m'a permis d'embaucher. J'ai développé avec de nouvelles machines, qui m'a permis de prendre plus de travail. J'ai acheté un camion grue magnéoscopique qui m'a permis de prendre de gros chantiers. C'est pour ça qu'on a beaucoup développé l'entreprise grâce au matériel. J'ai un site internet gauroy.fr, dont c'est qu'on met toutes nos réalisations d'abri. Je travaille avec Mikit, Moïse, Carré de l'Habitat, qui m'envoie pas mal de boulot à l'année. Tous mes véhicules sont marqués par des panneaux publicitaires. Ce que je voudrais vraiment développer, c'est le domaine de l'abri bois, isolation des toitures, donc joint de boue, parce que comme j'ai racheté une machine il y a un an, je voudrais développer le joint de boue au maximum et tout ce qui est isolation de toiture. En septembre, cette année, on va agrandir le bâtiment pour pouvoir stocker le bois. On va refaire un bâtiment de 1000 m² pour pouvoir stocker tout ce qui est charpente, charpente, camion. Moi, depuis que je suis tout gosse, depuis que j'ai 5-6 ans, j'ai toujours travaillé avec mon père, donc j'ai toujours voulu reprendre. Le fait que j'ai repris plus tôt, que mon père est décédé à 46 ans d'une crise cardiaque, j'ai repris, j'avais 18 ans. J'ai jamais eu de problème avec la banque populaire, ils m'ont toujours accepté les emprunts que je voulais. Ça va bien, impeccable. Ce prix était soutenu par l'équipe de l'agence Baume les Dames. Aura-t-elle la langue de bois face à la question du lauréat? Monsieur Bourgeois, je vais vous poser une petite question. Comment s'appelle cette pièce-là? Blochet, poteau ou moise? Ça, c'est une bonne question, puis c'est surtout une colle. J'aurais tendance à dire une moise. Non, c'est un blochet, monsieur Bourgeois. Ouais, j'aurais appris quelque chose au moins aujourd'hui.